Assalamu alaikum, on se rencontre de nouveau avec une nouvelle vidéo, les lettres arabes avec des prononciations proches. Là j'ai ta avec ta, ta et ta. Il faut vraiment prêter attention lors de la prononciation de ces lettres. Par exemple, là je prends watarun, watarun. Watarun, watarun, il y a ta, et ici il y a ta. Le sens, watarun veut dire une corde, et watarun veut dire un désir. Donc les sens sont vraiment différents. Taba, wataba, taba, 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 se repentir, taba, devenir agréable. Donc je reprends watarun, watarun, taba, taba, dal idad, dalun, 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 dal veut dire guide. Dalun veut dire égaré. Dalun, dalun. Darbun, darbun. Darbun, darbun. Darbun veut dire un chemin. Darbun, parmi les sens, il y a un style. Darbun, darbun. Rakada. Rakada, 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 rakada veut dire stagner, rester stable. Rakada veut dire courir. Zal, va, zal et va, zalil. ذليل ظليل ذليل ظليل ذليل veut dire humble et ظليل ombreux. Il y a des sens aussi, pas juste humble, il y en a d'autres. Sin et sad, sin et sad. Sara, 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 Sara. S'en aller, Sara. S'en aller, ça s'utilise couramment en arabe. Sara aussi, ça s'utilise couramment et qui veut dire devenir. Sara. Masirun, masirun, masirun. Masirun, masirun, ça veut dire trajet, et masirun veut dire le destin. Il y a d'autres sens aussi, encore. Masirun, masirun, kaf et qaf, c'est proche aussi, surtout pour ceux qui ne sont pas arabes et qui apprennent le français, c'est difficile pour eux de prononcer qaf. Donc là, il faut vraiment prêter attention à prononcer qaf. Kalbun, qalbun. Kalbun, qalbun. Kalbun, c'est un chien. Qalbun, c'est un cœur. Falakun, falakun. Falakun, falakun. Falakun veut dire une orbite. Falakun. Ob, lob, kalbun, qalbun, falakun, falakun. Kha et ra, ils sont proches aussi. Khaba, ghaba, khaba, ghaba. Khaba qui veut dire échouer.
il y a d'autres sens aussi. Et Raaba qui veut dire manquer, s'absenter. Khayrun, Khayrun, Ghayrun, Ghayrun. Khayrun veut dire un bien. Mais il y en a d'autres sens aussi. Ghayrun qui veut dire autrui. Khaba, Raaba, Khayrun, Ghayrun. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau et merci de votre attention et pour d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Portez-vous bien.